Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur, il restera Seigneur. Mais c'est très, 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 très dangereux lorsqu'on ne connaît pas Satan et lorsqu'on ne connaît pas Dieu aussi. C'est un danger pour nous-mêmes. Lorsqu'on le connaît et on connaît la différence entre lui et Satan, c'est de ça qu'on a besoin, connaître. Donc, ma pensée pour tous les Ivoiriens, les Africains, pour cette année-là, pour la nouvelle année qui vient, que vous puissiez connaître Satan, la différence entre Satan et Dieu. Connaître Dieu, connaître Satan. Connaître les œuvres de Dieu, connaître les œuvres du diable. Ça, c'est ma prière pour vous. Vous savez ce qui se passe sur les réseaux. Si les gens peuvent savoir qui est le diable, qui est Dieu, il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Beaucoup de choses. Donc, je suis là, je vais vous parler un peu. Et si Dieu me permet, je vais continuer le message. Si Dieu me permet, je vais continuer. Vous savez, j'ai écouté, en tout cas, merci au Saint-Esprit. Waouh! Parce que le message, même. J'ai deux messages à porter, donc j'ai failli oublier. Souvent, quand tu es en train de parler, là, les choses, tu peux oublier facilement. Donc, il m'a rappelé. Donc, lorsque je me suis levée aujourd'hui, ce matin, j'écoutais une musique. Et dans la musique, c'est dit « Retour à l'envoyeur ». Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je me suis assise, je dis « C'est une bonne musique, hein. C'est une bonne musique. Mais, c'est à quel envoyeur vous êtes en train d'envoyer? What is that? Yeah, please. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est une bonne musique. C'est comme si on est en train de... Mais il faut faire très, très attention. Celui que Satan utilise là, c'est un être humain. Donc, si vous voulez dire retour à l'envoyeur, là, dites le nom du diable. Retour à Satan. Retour au diable. Parce que imaginez un peu, si c'est ta soeur qui est jalouse de toi, si c'est ton frère qui est jaloux de toi, vous voyez, ton frère, il est ignorant. Ta soeur, elle est ignorante. Ton enfant qui te fait du mal, là, il est inconscient, il est ignorant. Et c'est sa main, Satan utilise. Vous voyez? Et puis toi-même, Satan peut utiliser ta main sans le savoir. Ça veut dire que, c'est pour cela, souvent, moi, je les appelle les instruments du mal. Parce que quand vous dites retour à l'envoyeur, il y a les gens qui sont instruments du mal, qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela, c'est pas bien de dire retour. Quand vous voulez dire retour à l'envoyeur, dites le nom de Satan. Vous pouvez faire du mal à un membre de votre famille qui ne sait pas ce qu'il fait. La parole nous dit, car, père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus qui disait ça. Les êtres humains, là, Satan les utilise. Donc, quand vous dites retour à l'envoyeur, là, dites retour à Satan. Vous pouvez tuer votre soeur. Moi, c'est pas dans mes... Parce que j'ai compris cette partie-là. C'est pour cela. Parce que si moi, Chantal, je commence à dire retour à l'envoyeur, je vais tuer les gens de ma famille. Je vais tuer les gens de ma famille. Vous comprenez? Les gens ne savent pas ce qu'ils font.
Donc, quand tu commences à dire et tout à l'envoyeur là, tu peux tuer ta soeur, tu peux tuer ton frère. C'est pour cela que j'ai dit, c'est très très dangereux lorsqu'on ne connaît pas Satan. Lorsque les gens se droguent là, c'est leur main. C'est leur propre main là, ils prennent la drogue, ils mettent pour se détruire. Lorsque quelqu'un va tuer là, c'est une personne qui est en train de faire. Donc, au fait, on dit paix. Dites ce que la Bible dit. Paix, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous voulez dire retour à l'envoyeur là, oui, c'est ça, retour à l'envoyeur là. Dites retour au diable. Dites le nom de Satan. Parce que quand vous dites retour à l'envoyeur, si c'est ta soeur qui est en train de te traumatiser, c'est ta soeur qui est en train de te qui est jalouse quelque part, quelqu'un de ta famille qui te dérange, tu dis retour à l'envoyeur. Quand ça va aller chez la personne, ça va faire du mal à la personne. Donc moi, je vais jamais dire retour à l'envoyeur. Je dis retour au diable, à Satan. Parce que c'est lui qu'il faut viser. Pas un être humain. Vous savez, mais notre message, mais moi, mes messages là, c'est différent, hein? Nous, on vise l'ennemi directement. On vise la puissance obscure, pas les êtres humains. Mais quand les gens commencent à dire retour à l'envoyeur, ils visent les êtres humains. C'est ça la différence entre moi et les autres. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.